Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, je suis actuellement en live, mais la vidéo sera rediffusée sur YouTube, évidemment. Nous sommes là pour du Yo-Kai Watch, la démo qui vient de sortir, ou qui est sortie depuis quelques temps, mais je m'étais pas renseigné, en tout cas j'ai vu que la démo était là, donc de ce Pokémon version level 5, c'est ce que j'entends autour, bien sûr je me suis pas plus renseigné que ça. Donc on va tester la démo, on va essayer de voir de quoi ça parle, on va essayer de voir un peu du gameplay, on va essayer de voir l'univers aussi, et j'espère qu'on va nous donner une envie de jouer grâce à cette démo, et pourquoi pas aussi. Un petit bonus pour ceux qui ont joué à la démo, ça a déjà été fait pour des jeux comme Pokémon, comme Code Steam par exemple, aussi qui donnaient des bonus quand on faisait la démo. Donc je parle bien sûr de Pokémon Alpha Omega, Ruby Saphir et tous les pires qui existent dans le monde entier. Donc on va voir un peu ce que vaut ce Yo-Kai Watch. Alors vous pouvez voir que j'ai utilisation récente 28, donc toutes les démos de Nintendo sont toujours en utilisation restreinte. Je sais pas si en supprimant le données, en réinstallant, ça permet de refaire la démo, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai 28, pourquoi? C'était pour faire des tests. Des tests d'enregistrement, des tests, tout, voilà, des petits tests comme je fais souvent avant de lancer une vidéo. Donc tout de suite, on va se lancer la petite démo. Ok, voilà. Alors je sais pas si le jeu est déjà sorti ou pas. Je me suis pas renseigné du tout sur ce jeu, mais comme c'est du Pokémon, on s'intéresse un petit peu quand même. Donc voilà. Donc level 5, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Ce jour-là, dans la forêt, ma vie a complètement changé. La musique est assez rigolote, je baisse un peu le son. Donc merci, salut à toi Bédi, ça fait longtemps, en effet, ça fait longtemps que j'ai pas stream normalement. Et là d'ailleurs ma connexion elle tenait, elle n'avait pas voulu se lancer, puis d'un coup elle a marché, donc tant mieux. Donc je remercie tous ceux qui sont là actuellement au moment du live, évidemment, j'ai oublié de le faire au tout début, mais c'est pas grave, j'ai au moins le temps aux gens de venir, mais bon, ils ne sont que deux. Donc B10 et Slay Geek 11, je ne sais pas comment ça se dit, un truc que je vais devoir faire. J'espère que ça va pas trop faire ça, pour mettre à jour les follow. Salut Gabi 31770, il vient d'arriver, salut à toi, salut Nazokada. Ça y est, commence à arriver les gens, ça y est, voilà, le jeu se lance et d'un coup tout le monde est là. On va porter tâter la démo du jeu. Il y en a qui connaissent déjà évidemment, il y en a peut-être qui ont déjà joué la version japonaise évidemment. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà acheté des consoles japonaises. Donc mise à jour du dernier follower dans quelques secondes. On va voir s'il va, il va vouloir mettre à jour. Donc j'ai pas toujours de mise à jour du chat. Ah, faut que je remette mon truc. Donc on va mettre à jour la liste des gens qui me suivent. J'en ai eu plein le temps que je faisais des tests. Ah non, par contre, ça c'est pas bon. Ce jour-là, dans la oui, forêt... non, c'est bon, c'est bien. Est-ce que ça marche ou pas? Au pire, c'est pas grave si ça se met pas à jour. C'est un petit live comme ça. Donc, hop, ça essaie de marcher. Logiquement, Laszlo Valence GG. Je sais pas comment ça se dit. Donc, il y a la dernière personne qui est venue. Donc, on va faire un petit jouet de la démo. Et on va voir ce que vaut ce jeu. Alors, ça risque de le faire bugger. Non, ça va. Une partie de son contenu diffère. Ok, ça marche. Donc là, on a les différentes touches. Ça ressemble beaucoup à Inazuma Eleven. Pas trop se faire chier avec ça. Voilà. Donc, c'est juste le début du jeu. Et la 3D est impressionnante dans le jeu, je vous avouerai. Elle m'a fait mal aux yeux la première fois. Elle est super profonde. Et en plus, là, regarde, par exemple, je vous explique pour la 3D. J'ai donc le texte là, avec la petite bulle là. Le fantôme qui est juste derrière la petite bulle, mais en profondeur, j'ai le jeu qui est en profondeur, mais en mode on a l'impression d'être au moins à 3 ou 4 mètres par-dessus. Alors que quand on fait ça, bon ben voilà. Mais là, moi quand je le fais, bon, ça se décale, mais moi c'est assez impressionnant comment ça bouge. Voilà. Il s'appelle Nathan, donc le héros. On a un fantôme avec nous qui s'appelle Whisper, et on va aller trouver quelques yokai. Pour l'instant, moi je suis un peu perdu. Donc, où est-ce que je suis censé les trouver et comment? Quelles questions tu peux les trouver partout autour de toi? Allons dehors. Ok. On tombe dans sa chambre. Ouais.
Donc, caméra qui se déplace comme Nazoma 11, comme Dragon Quest 9. On a un angle, et puis si on revient en arrière, on fait. Enfin, on revient au milieu, on appuie sur les deux en même temps. Donc, il n'y a rien dans la chambre à faire, ça j'ai vu. La chambre. Ça fait longtemps que t'as pas fait de stream. Moi, en effet, j'ai fait des vidéos à part, mais pas de stream. Alors, c'est les vacances d'été, tu devrais profiter d'avoir du temps libre. Ton vieux père doit travailler tout l'été, tu sais. Eh eh, soupir. Eh ouais, et moi, je travaille pas, je suis en vacances. Et la maman rentre avant le coucher du soleil. Ok, rien à. Fallait mon fantôme? Non. Ok, on va sortir d'ici. Bon, oh, j'essaie de passer par la porte qui est ouverte. D'ailleurs, il n'est pas capable de passer cette porte. On met ses chaussures. Ah, c'est rigolo! Ça, c'est un petit détail rigolo. Bon, c'est mal fait parce que si on passe un peu sur le côté, d'un coup, on a les chaussures qui apparaissent. Mais si naturellement, on passe par le tapis, hop, on met nos chaussures. C'est rigolo! Bonne nuit, Gabi. Passage plus court, mais intense. Donc, dors bien. Ah, ça va pas être très long comme live, hein. Et comme vidéo. Une jeune fille qui vient me voir. Oh, je suis content de te voir, Nathan. Désolé de te déranger, mais j'aimerais te demander un petit service. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des méchants yokai ont causé des soucis à Grandval-sur-Mer. Est-ce que tu pourrais les trouver et t'en occuper? Bien sûr, juste deux secondes. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est toi qui as la Yokai Watch. Il n'y a que toi qui puisse les trouver. Non pas que je ne veuille te mettre la pression. J'assisterai pour que tu puisses satisfaire la requête de la jeune fille. Pas de problème, je m'en charge. Ok, merci beaucoup Nathan. Ces trois yokai ont causé des problèmes de partout dans la ville. Je sais où se trouvent deux d'entre eux aiment traîner, pardon. C'est un peu pareil que ce que j'allais dire. Mais tu devrais trouver le dernier toi-même. Quelqu'un doit savoir où il se cache. Demande aux gens dans la rue. On va même voir une fois que tu auras battu les trois yokai. On va peut-être pas faire les trois selon le temps quand même. Pas sur YouTube sur la carte. Ok, là on a plein de gens. Appuie sur OM pour activer le mode radar. Essaye d'utiliser le radar yokai pour trouver des yokai cachés. Le radar te signale si tu es proche d'un yokai caché. Le radar te montre également le rang du yokai caché. Il y a mis des alentours quand le radar te signale un yokai. Oui, et en fait, ça dit que le mot caché depuis tout à l'heure. Ok. Ah. Donc on va aller par là. Oh. On s'approche d'un yokai. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ok, vers le bas. Ah. Plusieurs là. Attendez. Il y a un truc qui. Il y a un truc. Ah, la voiture. Vise le yokai caché avec la loupe pour commencer à l'analyser. La jauge autour de la loupe se remplit dès que tu trouves le yokai. D'accord. Alors, il faut le suivre. Alors, par contre, il faut prendre le stylet. Ok. Voilà. Il est là. J'imagine qu'il y en a qui seront beaucoup plus compliqués à viser. Ok. Marco Nito. Oh, il a un nom sympa. Ah oui, d'accord, direct. Je peux même pas dire bonjour. Tu penses prendre Pokémon Tournament, histoire de faire des online et classer les followers, sauf si ceux qui te cassent. Non, je compte pas le prendre parce qu'aucun des Pokémon ne m'intéresse. Merci Bélix pour ton follow. Y a aucun Pokémon qui m'intéresse dedans, à part un, je sais plus lequel. Ah oui, bah c'est Junko. C'est le jeu qui m'intéresse d'Andre, non. Sérieusement, trop peu de Pokémon, en tout cas, les Pokémon qu'ils proposent ne me m'attirent pas du tout. Rien que ça, déjà, même si les gameplays sont sympas et tout, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie du tout. Allez, les combats. Utilise ton bouton aussi ou les boutons LR pour faire tourner la roue yokai. Tu vois le bouton Ultime. Donc, voici Ultime, d'accord. Oui, c'est... lui, j'imagine, ok. Permet de charger les Ultime. Alors que j'ai Ultime sur l'écran tactile. Je veux dire, un yokai pour commencer à la charge Ultime. Ultime. Je pense que j'ai rien compris. C'est une instruction à l'écran pour remplir la jauge d'âme. Tu vas charger pour lancer une Ultime dévastatrice. Une Ultime. Ultime. Non, c'est bon en fait. Depuis tout à l'heure, c'était moi qui suis un peu. Voilà, c'est tout pour les bases. Tu es prêt? Oui, j'ai pas très bien compris. Ok, Ultime, je comprends pas trop. Ah, on choisit bien yokai. Touche. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Je comprends pas tout. Charger, ok, j'ai chargé mon truc. Méga cascade. Ok. Ok. On a plein de petits mini-jeux en fait, faire nos techniques, d'accord.
Ah, il y a les voix. Ben là, ils mettent les voix, par contre. Inazuma Eleven. Un instant, j'ai fait deux fois la même chose. Ah, j'ai pas eu le temps. Ok. J'ai rien compris. Vous avouerez. Bon, j'ai compris qu'il faut faire des trucs pour faire des techniques. Mais, voilà. C'est le premier combat. 57 points d'XP, c'est quasiment rien. On est déjà niveau 10. C'est une démo, j'imagine que le début du jeu n'est pas du tout comme ça. C'est en euros, c'est très bien. 5,86 euros, super. Donc j'ai pas très bien compris le combat, mais bon, grave. Tu crois vraiment que ce sont des yokai, c'est un pari en ville? Tu es sûr que tu as un ami? Non, attendez. On va essayer de comprendre un système de combat. Donc j'ai trouvé un Malmidal. Il est moche. Il attaque en plus. Bon, je vais oublier quelque chose de vraiment, vraiment primordial. Tu vois le bouton cible. Il permet de concentrer tes coups sur un ennemi. Possible que le yokai ennemi t'envoûte pendant un combat. Dans ce cas-là, déplace le yokai envoûté à l'arrière. Vers l'arrière. D'accord. Et sélectionne purifié. D'accord, en fait, d'accord. Ok. Bah, j'ai l'impression que tu es prêt. Ouais, plus ou moins. Bon, ça, c'est le plus dur, hein. C'est clairement le plus dur de tous les mini-jeux de tourner le stylet. On dessine vite. Parfait! On voit des techniques différentes. Sourire de Noko. Ah, c'est pour soigner. Ça marche. Oups. Âme ultime, lui. Oups. J'essaie d'aller vite. Dans ce cas, je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, voilà, j'ai compris pas tout, monsieur. Grand caninvore. Ah, ça a l'air pas dégueu. La musique est sympa, on a rien. Ça va. Ok. Gagné, ouais! En XP, ça donne du 43, à peine plus que tout à l'heure. Un peu plus, ouais. Macro séché, trop bien! Waouh! Donc j'avoue, par contre, là, bon, c'est sympa l'explication, mais j'ai pas tout compris. Ah, je l'ai vu. Sur la voiture, c'est peut-être pas très intéressant, sur la voiture. Ça va être le même que tout à l'heure. Donc là, à niveau 10, si on compte niveau 1 dans le jeu normal. C'est le seul qui diffère le château en fait. J'ai pas après, j'espère que ce sera pas répétitif comme ça. Ça c'est qu'une démo comme j'ai dit. Moi je suis pas trop emballé par le système de combat, j'arrive pas à comprendre en fait. Ils attaquent tout seul, ok. C'est difficile à gérer. Après on a les objets pour soigner plus tard. Mais par exemple si on fait rien, ils attaquent tout seul. À la limite, pour s'embêter. Ok. On va pas trop s'attarder sur ça, on va avancer dans l'histoire. Egaronite approche. Je trouve que tu es super, laisse-moi être ton ami. Oh! Tu es au Japon et tu gagnes des euros biologiques et la volonté de devoir tout ramener à la France. Or, en général, aucun respect des zones existantes. J'avoue que c'est pas top ça à la limite. Je crois que c'est juste sur la démo. J'étais avec Egaronite, non. C'est une démo, je m'en fous. Ça se trouve, on aura un. J'allais dire Pokémon. Un yokai, watch, un yokai.
un monstre exclusif. Ok, on a 11, en tout cas dans la démo, 12 à récupérer. Ok, un petit aspect collection comme tout, tous les jeux comme ça. Ah, il y a une boîte avec un œil. M'intéresse. M'intéresse la boîte avec un œil. On va essayer d'aller de l'autre côté pour voir ce que c'est. Donc, il faudrait que je rentre par là. Ici. Parfait. On va rentrer ici, on va pas aller sur la voiture. Hein, c'est bon. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. C'est quoi ici? C'est l'arbre, d'accord. Il a mis un endroit où on s'affiche pour passer en mode exploration. Les insectes que tu as attrapés avec la loupe, attrape-les au bon moment. Ok. J'ai pas compris. Faut faire quoi? J'ai rien compris. En fait, par rapport à là où tu tapes, d'accord, ok. Au moment où tu tapes, c'est... Ok, d'accord. J'ai du mal. Donc on va pas aller sur la voiture, donc on a plusieurs endroits. On en a un ici, on va y aller, on va se le faire. Hein. On va parler au monsieur, parce qu'on va pas rester en plus disant. Le petit oiseau. S'en fout. Ok, on va parler au monsieur qui a l'air d'être possédé. Je suis si fini aujourd'hui, j'ai la flemme d'aller au travail. Peut-être que ça m'a envoûté par un yokai. Je ressens une aura de yokai par ici. Utilise la yokai pour la trouver. Tu peux utiliser la yokai sur Y. Ok. Si ton radar s'affiche qui l'affiche. Point d'interrogation, appuie sur le bouton Y pour activer le yokai. Pour bien trouver un yokai caché juste à côté de toi. Il fait la balançoire. Ah, ici. Ok. Tu as trouvé un darabajois. Allez, on y va avec les jeux de mots. C'est parti. Travailler les corvées, moi j'ai tout ce que je veux, c'est faire la sieste. Chercher le cas peut être fatigant parfois. C'était moins une. Qu'est-ce qui se passe, Whisper? Darabajois peut te rendre très fainéant si tu réussis à t'envoûter. Pourquoi mieux de le battre rapidement avant de perdre toute motivation. Bon. On va voir ce que ça donne. Il a payé des amis. Allez, on tourne. J'espère que je vais pas me faire démonter la tronche, ça me fait chier. Réflexe, les gens! Elle a fait quoi, la Sonic? Touche. Ok. C'est bon, j'ai survécu. Comment on l'a démonté? Ah, j'espère vraiment que dans le jeu final, on commence niveau 1, on découvre des choses, qu'on n'est pas tout d'un coup comme ça parce que c'est un peu bizarre. Voilà, j'espère, je croise les doigts, après si c'est pas le cas, ben j'espère que ce sera bien emmené, c'est tout. J'aurai ma revanche un jour si je trouve la motivation. Ok. Donc on sait qu'il meurt pas, juste il se passe. Deux yokai, ok. Donc le deuxième yokai il est au sud de la ville. On va essayer d'y aller. Il a voulu parler. Le mec il veut travailler maintenant. Attendez pour la boîte. Pour la boîte, un truc que j'ai pas testé ici. Ah, une boîte. Haha. Pensée karaté. Ah oui, je m'en fous. Pensée karaté, attendez, pour avoir le menu. Il y a un menu, non? Peut-être select. Non. Normalement, on doit avoir un menu. Ok, bon tant pis. Donc on a vu les petites boîtes, donc on a des choses dedans. C'est des boîtes. On met des choses dans les boîtes.
C'est logique. On va vraiment y aller, hein. On va pas trop perdre de temps, quoi qu'un petit détour. Ça ferait pas de mal. Hein. Oh, j'ai trouvé un yokai ici. Donc on va faire Y. Attendez. Il y a un yokai par là. C'est lui. Bizarre, il découvre pas. Ah d'accord, il fallait s'approcher ici, d'accord. Faut trouver, il faut vraiment s'approcher le plus possible. Et donc logiquement là. On va le trouver. On est dans le rouge, ça veut dire qu'on est juste à côté, logiquement. Bien, c'est où? Il est où? Attendez. Sur la route peut-être en fait depuis le début. Là pour le coup je sais pas trop où il est. Non mais il est là. Ah il est là en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme Poké? Jibanyan, bah c'est celui que j'ai. Méchant Yuka oublie tout, allons pêcher. Si tu diriges vers le sud, tu trouveras l'escalier qui mène sur les berges. Ok, lui c'est juste pour me donner un petit indice, c'est sympa hein. En fait ouais, il y en aura plein en fait. Il y en aura plein, donc nous on va accélérer pour la démo. Un coffre là. J'aime les coffres. J'ai trop bien les coffres, c'est quoi? Oh, on peut accélérer. Ah par contre, ah c'est la première fois qu'ils mettent ça. C'est un peu emmerdant. Désolé pour le mot, mais... Ok. Alors, j'espère qu'il y aura un truc avec le fait de se fatiguer, parce que ce serait un peu chiant, quand même. De se fatiguer dans le jeu. Okay, j'ai pas trouvé l'entrée. L'entrée qui m'intéresse. Non, il veut pas. Ce serait vers où? Ou alors, je ne peux pas y aller exprès. Ou alors, faut passer par... Ah, je sais pas où faut passer, pour le coup. Bon, allez, c'est bon. Allez, on va aller là où on nous demande d'aller. Et puis voilà. Allez, on va dans la petite ruelle, parce que c'est bien la petite ruelle. Peut tomber dans le... Non. Ah, voilà. Et lui, alors, lui, il faudra le voir, parce qu'il me dit qu'il veut me donner un truc, mais que c'est la version d'essai, donc... Donc il peut pas. Je ne fais que des bourdes. Que bourde sur bourde. Je sentirais mieux sans moi. Il est tellement pessimiste. Peut-être qu'il est envoûté par un yokai. Il doit y avoir un yokai à proximité de sa loupe pour le trouver. Ok. Il doit être vers là. Ok. Où est-ce qu'il pourrait être? Il est là. Oh putain, c'est un insecte. Ouh là là. On va le démonter. Allez, nix. Mais lui, il va être dur à dire, lui. Oulala. C'est quoi votre problème? Dégarbisé. T'es nihilisque. Quand il t'envoûte, tu deviens pessimiste. Comme moi, j'ai réussi à me faire envoûter en un instant. Je suis trop nul. Attends, j'espère que j'ai l'optimiste pour deux. On va pouvoir le battre. Wouhou! Ouais, pour l'instant, la démo il est pas très. J'espère qu'elle sera pas représentative du jeu final parce que. J'ai quand même un peu peur. Parce que. J'espère vraiment qu'il y aura un vrai tuto, explication. Parce que là, en plus, ils attaquent tout seul. C'est bien les attaques tout seul, c'est pas un problème, mais je comprends pas leurs dégâts, tout ça. J'ai pas l'impression d'avoir un menu en plus. Ça c'est pour soigner normalement, mais tant pis.
Allez, on tourne. Ok. Pensez karaté deux fois. Si tu veux. C'est très utile, moi. Karaté. Ok, deux deux. Donc il y a un troisième qui est censé être caché. On va essayer de retrouver si possible. Alors là, si on nous dit qu'on n'a pas de. On va voir. On va voir, on va voir. Donc là, on me donne aucun indice. Ah. Faut suivre le code de la route. Ah, putain. Sérieux? M'en fous, il n'y en a pas. Donc là, il y a un temple là-bas. Une espèce de temple. Moi, je vais y aller. Je crois que c'est par là. Troc Safari. Donc je sais pas où est le dernier. Y a pas de point d'interrogation, mais normalement je pense que c'est pour du spécial. Point d'interrogation. On va essayer de trouver un endroit, il y a un autre point d'interrogation. Ah, petite boîte. Où dedans on trouve appât à poisson, d'accord. Pour l'instant, aucune idée de à quoi va vous servir ces trucs. Voilà, faut tout simplement trouver quelqu'un qui est un plus grisé, mais qui n'est pas indiqué sur la carte. Tu n'as rien à foutre en fait du. Ah. Ok, on dit miaou, merci. On m'a pas vu. Oh, j'en ai trouvé un. Ah, il faut monter. Bon, on l'a trouvé, hein. Je pense que c'est lui. Allez, hop. C'est peut-être une poubelle, d'ailleurs. En tête bas, on train une poubelle. Oh, c'est moi, il avait l'air mignon. Je me dis, il avait l'air. Dracooné. Oh, un dragon. Ok, alors, dégueulasse. Qu'est-ce que Dragonnet peut faire pour toi? Tu cherches des méchants yokai? Il me semble avoir vu un yokai vers la poissonnerie. Ah! Poissonnerie! Le problème, c'est que. Le menu est bien coincé. La poissonnerie. Il faut trouver où est la poissonnerie. Donc, on va. On va chercher une poissonnerie. Donc, là, ici, on a une boulangerie. Poissonnerie. On va faire tous les trucs. Hein. C'est la petite criée. Poissonnerie. Donc, c'est vers ici. Ok. Bah c'était là. Hein. Non mais la poissonnerie j'ai déjà fait ça. C'est pas là. Suspense. Bon. Vraiment spécial le jeu, la démo, je trouve qu'il est pas envoûtant, je sais pas comment dire, pour le coup. Ouais. Pour l'instant, je fais toujours la même chose. Ok.
Ok. En fait, il faut laisser se battre tout seul et essayer de faire les plus de techniques possibles. Amitié étoile 2, Shingom et Starminium. Donc c'est clairement pas... C'est pas sûr. Donc la poissonnerie c'est fait. Malheureusement, la poissonnerie c'était pas là. Donc il m'en faut un troisième, je vais peut-être pas être retrouvé. Dans ce cas là, tant pis. On peut le parler. Ça se promène de partout dans la ville, jusqu'à voir apparaître un point d'interrogation. Et un point d'interrogation qui apparaît, il faut tester. Parce que midi de battre 3 yokai, je sais ce que j'ai fait, mais il faut vraiment trouver des yokai watch spécifiques. On va pas chercher dans les arbres. Ok. Peut-être chez moi. Ah! Pas essayer chez moi. Il est près de chez moi. Enfin, c'est peut-être pas lui, hein. Mais on va voir déjà. Le Rebellion Blaze a plus besoin de Final Fantasy actuel où tu gères quelques coups spéciaux mais les combats sont automatiques. Après, c'est quoi en plus avec mes concepts nouveaux? Faut laisser sa chance. Ah, mais je dis pas le contraire. J'essaie d'aller au parc du Triangle, mais je suis perdu d'être au nord d'ici. Oh, mais... Non, mais sérieusement, est-ce que vous pouvez me laisser finir cette démo? Enfin, finir, non, pas forcément, mais au moins comme. Vrai, ça c'est chaud quand même de d'avoir aucun indice chez aucun indice. Oh, ok, on va tenter ici. Ouh, il a l'air gros celui-là. Oh, ça sent que c'est celui-là. Ouh, il est énorme. Bushidos, c'est lui, c'est sûr. C'est peut-être que lui, il est énorme. Tu crois meilleur que les autres pour venir me parler, mais je te déconseille d'essayer de m'affronter, si tu tiens à la vie. On va l'affronter, soyons fous. Je vais me faire démonter la tronche. Mais bon, s'il faut s'entraîner pour battre... Ok. Ah, un point de vie. Ah oui. Soigne bien. Je vais me faire démonter en fait, c'est pas grave. Mais... Oh putain, un point de vie à chaque fois. Je sais pas si... En fait, ça se trouve, il a pas énormément de points de vie, mais bon. Peut-être tenir le coup. Un peu loin, hein, pour voir. Me fait démonter.
Bon, bah, c'est un plaisir. J'aurais testé. Non, il a tué! Enfoiré! Bon, bah, j'ai perdu, hein, à part si. Je suis mort! Ok, on aura testé! On a testé le haut. Il est fort! J'ai résisté, mais il est trop fort. Bon, bah, je sais compris lequel il faut que je tue. Ok, donc là, on aura... Je pense que j'aurais été là, la petite tour de Kaiwa. Je me suis fait complètement démonter. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en perdant, en général. Bon, après, si on perd contre plus fort que soi, tout le temps, au bout d'un moment, mais trop fort pour soi, plutôt, normalement, on se dit, bon, est-ce que je pourrais gagner une fois, ou en tout cas, essayer de résister. Là, j'ai pas résisté, je me suis fait démonter la tronche. Donc, à part monter de niveau, pour le coup, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Parce que je ne peux pas gérer mes compos, je ne peux pas faire grand-chose dans cette démo. Donc, pour le moment, clairement, je suis un petit peu coinsos, mais je ne vais pas rester une heure sur... une heure de plus, en tout cas, sur un... Hop, on va prendre ça. Sur le... une balle brillante. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas mal. On va rester une heure à tourner en rond pour essayer de... d'avoir quelque chose, donc j'imagine que là il va falloir que je, dans la démo en tout cas, pour que je puisse la finir, que je fasse monter des niveaux mes yokai, je ne sais pas, c'est ça, oui. Donc voilà, j'espère que tout de même cette petite vidéo et ce petit live sur le Kaiwa, cette petite découverte de la démo, vous... Oh non, c'était elle. Oh mince. C'était elle, elle était là, mon dieu. Ok, on reste, on finit. Allez, boost. Allez, on y va. Elle était juste là. Elle était devant mes yeux depuis le début. Donc, c'était pas lui qu'il fallait abattre. Ok, lui, c'est un petit bonus, on va dire. Alors, on va dire qu'il faut monter dans la chambre. C'est toujours dans les chambres. Donc, elle doit être sur son lit. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai trouvé avant de... Yes! Oh, vieux papy. C'est celui que j'ai déjà, non? Grand papetti. Quand c'est pas... Quand c'est pas... Personne sauf moi, ouais, bah en effet. Ok, ouais, ça peut donner envie aux gens de venir, quand même. Mangez, gargouillement. C'est mon ventre ou le tien? C'est grand papetti, donne faim à ceux qui en veulent. Très, très fin. Comment ça troll par une famille? Allons dehors pour le battre. T'es encore vivant, au moins. Ah, oh, j'appuyais, foiré. En fait, ça permet d'avoir des combats dynamiques, le fait de faire les super techniques. Le problème, c'est que au début, contre le gros boss, au bout d'un moment, je peux plus rien faire. Bon, j'espère que battre le gros, ça fera un bonus. J'espère que ça fera un bonus, peut-être pourquoi pas pour le jeu final. Ok, c'est pas mal tout ça. Ruby. D'accord. Bon, on a trouvé le troisième finalement. Je pensais que c'était lui. Exprès, il fallait faire la vie pour trouver le troisième. Mais en fait, non. C'était la quête toujours. J'ai si faim. Ouf. Ah bah, va bouffer ça en enfer. Va bouffer en enfer. T'inquiète pas, t'auras plein de choses à bouffer là-bas. Ah bah, tu te dis ok, recevons voir la jeune fille. Wouhou. Bon, je viens de finir la démo. Non, j'ai peut-être pas forcément fini, mais en tout cas... Sous ma gueule. Encore un. Ah, attendez, les points. Ah, ça m'intéresse quand c'est des bons points d'interrogation. Il est là. Sur le poteau. Toutouille. La ch'touille, il aurait pu l'appeler aussi.
Dis tout. Allez, c'est parti. Il a battu tous les yokai. Non, il reste un menteur. Vous avez battu les trois, je suis impressionné. Il y en a quatre. Tu es un yokai? Bon, ben, je ressors le signe. Je m'appelle le Lugubre. Je suis prêt à t'affronter, mon petit toi. Pas vraiment. Mais on va dire que tu seras peut-être moins forte que le gros que j'ai. Enfin, le gros. Respect pour les gens comme moi. Mais allez, on charge tout ça. On va essayer de... Les autres sont en arrière. On va faire ça. Un ultime de lui. Touche. J'ai chargé. Ça se passe bien pour l'instant. J'imagine en plus avec mon petit niveau qui a augmenté. Là c'est un soin, merde, je me suis un peu trompé. On va dépurifier celui-là. Ok, ça c'est plus rapide, celui de bourriner. C'est un peu plus chiant déjà, mais bon, c'est assez rapide. Je gagne de l'expérience dans ça. Allez, on va faire la mémé. Tourne. Il est horrible celui-là du yokai. Oh, il est horriblement moche, abusé. On dirait un humain, enfin. Il va mourir, on y croit. Allez, meurs! Ils récupèrent leur vie quand ils sont. Oh purée! Est-ce qu'il va me les tuer en eux? Oh, on peut rien faire là! On peut juste rien faire! Aucune chance que je le batte! Et pourtant il était pas loin! Ça donne déjà mon petit, on dirait que je l'ai surestimé. Bah, c'est pas la vie. Il va nous falloir de l'aide. Il nous faut de nouveaux amis yokai. Beaucoup de yokai se cachent à Grandval-sur-Mer. On devrait trouver et se faire plus d'amis yokai. On peut se faire encore plus d'amis, vraiment? Une fois ami avec d'autres yokai, tu seras encore plus fort. Mais pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? Quoi? Elle a disparu? Alors je dois trouver plus de yokai et devenir ami avec eux? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que je peux redevenir ami avec 100 yokai? Oh, il y a bien plus de 100 yokai avec qui devenir ami. Bien plus! Ça va, parce qu'ils évoluent aussi. Yokai, ouais, nouveau jeu génial, dans les complètement fous, c'est de rencontrer les yokai. Ah ok, même pas une petite sauvegarde. Juste une mini sauvegarde, juste pour que je puisse me balader dans la ville si je veux. Non, ok, d'accord, je te retiens le jeu. Je fais jouer, il me dit quoi? D'accord, ok. Ils ont même pas fait comme Pokémon, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Ouais, c'est honteux. Si j'avais su, j'aurais pas fini. Je vais pas me retaper tout ce que j'ai fait. Donc bon, là, on se retrouve au début du démo, donc on s'en fout un peu. Ok. Donc, on va quitter tout de suite le jeu. Quitter, yes. Voilà, on a fait la démo, on l'a fait. Donc vous avez pu voir que je, dans la démo déjà, avant de faire ce boss final, donc pour faire la fille, vous avez donc un gros yokai à battre si vous y arrivez. Et vous avez pu voir qu'il y a un yokai qui est venu s'incruster dans ma collection. Ce qui fait que je pense que la démo, elle a quand même une petite durée de vie sympa. Le problème de ça, c'est que c'est vraiment salaud. C'est imaginez, vous bourrinez la démo pour vous faire de plus de yokai amis possible. Et vous ne pouvez pas sauvegarder. À quoi ça sert, je ne sais pas. C'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire en sorte
qu'on puisse se balader dans la ville à chercher des yokai et voilà. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite sauvegarde pour ça. D'ailleurs, l'utilisation restante de 27, c'est un peu dommage aussi. C'est une démo, en tous les cas, on peut pas dépasser plus que la ville. Et en tout, pourquoi pas faire une récompense à ceux qui auront fait la démo, genre à 100%. Pourquoi pas, enfin, il y avait d'autres idées. Là, c'est un peu dommage que Level 5 se soit cantonné à proposer un contenu relativement, je veux dire, complet pour une démo. En tout cas, et pas mal de yokai dispo. Pas mal, j'abuse un peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Et finalement, une fois qu'on finit le truc, on y a joué une heure et demie, il n'y a pas une petite sauvegarde pour au moins revenir dans la ville, quitte à arriver juste avant le boss. C'est un peu dommage pour cette démo, mais en tout cas, le jeu est relativement sympa. Faut juste espérer, pour moi qui ne connais pas le jeu, qu'au début du jeu, il y a une explication un peu plus claire. Commencer au niveau 1 avec un seul yokai, voire 3 à la limite, mais que j'espère qu'il y aura quand même une... J'espère qu'il y aura une histoire de début, quoi, parce que là, on arrive, on a déjà... au moins 6 yokai, donc déjà on commence à ça, on comprend pas tout d'où ça vient tout ça, on comprend que c'est une technologie avec une montre en tout cas, une yokai watch, j'imagine que ça vient de la montre, ils en parlent à un moment, bref, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites dans la démo, j'espère juste que c'est vraiment juste une démo de la ville, et qu'on aura un vrai scénario, je dis pas poussé, mais un vrai scénario, d'où on commence, on en a pas beaucoup, on évolue, on en recrute, enfin en tout cas on en capture, on devient ami avec, puisque dans le jeu c'est devenir ami qui compte. J'espère vraiment qu'il y aura quelque chose comme ça, même si l'histoire est basique, quoi que ce soit. Moi ce qui m'intéresse dans ce genre de jeu, c'est que l'aspect collection se fasse progressivement et pas qu'on ait tout d'un coup, ce serait un peu dommage, je trouve. Enfin bon, ceux qui auront déjà joué à Yo-Kai Watch vont forcément me mettre en commentaire, même si je veux pas forcément le savoir, vont me donner les réponses aux questions que je me pose. En tout cas, il est là prometteur, ils ont des bonnes têtes, à part le chien humain, bizarre. On aurait dit le directeur de l'école qui a Onizuka, là, mais avec un corps de chien et sa tête, c'est bizarre. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ce live pour ceux qui étaient là pour le live. Je remercie donc tous ceux qui étaient là pour le live. Je remercie, si ça veut bien charger, je suis pas sûr, ça marche pas depuis tout à l'heure, oui. Bah, je remercie Nazukada d'être resté jusqu'au bout, je remercie B10, Gabi, et d'autres personnes qui étaient, et une ou deux personnes qui étaient là, je crois, qui ont pas parlé, donc je ne peux pas, je me rappelle pas des pseudos. Donc voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette petite, longue quand même, vidéo sur Yo-Kai Watch, sur la démo. Je vais me renseigner sur la sortie du jeu pour savoir quand il sort, pour quand même me faire une idée de quand je devrais l'acheter, si je l'achète évidemment. Mon avis est plutôt mitigé, sympa, pas ça, la démo ne m'a pas donné envie foncièrement, mais on peut sentir du potentiel dans le jeu, en espérant que ça soit vraiment le cas, et puis qu'on s'amuse, pourquoi pas faire des échanges, des choses dans le genre. Enfin bref, j'ai tout à découvrir de ce jeu, c'est une nouvelle licence de Level 5, et on va suivre ça de très près. Voilà, allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao tout le monde, et merci d'être passé au moins, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ciao.